Hey, yep, salut à toutes et à tous, salut les amis, bienvenue dans ce 27e épisode d'ouverture de Booster Pokémon Go. Donc, dans cette série de Pokémon Go, on a eu déjà pas mal de belles pépites. On a eu un Mewtwo V, on a eu un Mewtwo V Max, mais pour ça, il va falloir regarder les derniers épisodes. Aujourd'hui, on ouvre un coffret. Alors, je sais pas si c'est un coffret élite, ça ressemble pas à un coffret élite. C'est pas tout à fait pareil. C'est un coffret Dracolos V-Star, donc dedans, on a une V et une V-Star. Dracolos pour le coup, et une Pokéball en forme d'Honor Ball, donc apparemment, comme ça, c'est trop marrant, sachant que j'ai déjà 3 Pokéballs comme ça. Voyons voir à quoi ça ressemble, on va le découvrir tout de suite. Oh mais elle est formidable cette petite Honor Ball. Oh, elle est formidable. Oh, la Honor Ball qui s'ouvre, hein, normalement, qui s'ouvre et qui doit comporter un truc, normalement. C'est, j'imagine, pour mettre des boosters ou des cartes dedans. C'est pour ça, ouais, c'est pour un deck. Et on a 9 boosters. J'imagine que c'est pour faire comme ça. Non? Non, c'est peut-être un petit peu trop... Peut-être que pour les cartes, je sais pas. Genre, si je fais comme ça, non, ça marche pas. Ça marche pas très bien. Ah, peut-être comme ça plutôt. Peut-être pour mettre les cartes comme ça. Oui, forcément, c'est peut-être un peu mieux. Par contre, une Honor Ball qui est, ma foi, de très belle facture parce que la dernière fois, on avait ouvert des Pokéballs comme ça qui étaient en métal et qui ont la fâcheuse tendance, si tu les mets un petit peu à des endroits qu'elles sont un peu compressées, le métal s'enfonce et ça te fait des trous. Enfin, ça te fait des trous, ça te fait des pets dans la Pokéball, tandis que là, on a vraiment une Pokéball toute plastique. Toute de plastique vêtue, donc c'est assez sympathique. Donc là, on a nos boosters qui sont là-dedans. Très bien. Et puis c'est tout ce qu'on a, hein, finalement. On a des codes pour le jeu Pokémon que je me réserve pour mon jeu à moi. On a donc cette Dracolos V. On n'a pas de VMAX. Elle est où la VMAX? Ah, elle est peut-être dedans. Ah, les salopards. On est obligé de l'ouvrir pour avoir la Dracolos VMAX. Oh, terrible. Bon. Allez. C'est pas un booster, mais je vais l'ouvrir comme un booster. Énergie de type... pour le jeu Pokémon. Donc, voilà. On a la Dracolos V-Star et la Dracolos V. Dracolos, qui n'est pas un de mes Pokémon préférés, hein, qui est très populaire, mais qui n'est pas, chez moi, un truc... Voilà, c'est pas un Pokémon que j'affectionne plus que ça. Je l'aime bien, hein, mais pas plus que ça. Donc, 9 boosters prêts à l'emploi, prêts à être déballés. Et on commence tout de suite, c'est parti. Un vrai bonheur, un vrai plaisir, hein. Alors là, je dirais bien qu'il y ait une énergie de type dragon. Ça serait trop bien qu'il y ait des cartes dragon, mais il n'y a pas de cartes dragon. De type feu. Et c'est un grand nom. C'est un grand nom. C'est une énergie de type sombre. Infect. Je vais me rapprocher un petit peu. Hop. Capitaine d'équipe Candela. Reptincelle. Salamèche. Evoli. Chamallow. Ratatak, Dalola, Colombo, Herbizarre, on a vu qu'il y avait quelque chose derrière. Et c'était... Un Mewtwo, encore. Encore un Mewtwo. D'accord. Bon bah let's go, le deuxième Mewtwo hein, qui sort. C'est pas comme si j'en avais déjà un comme ça. C'est pas comme s'il coûtait super cher aussi. Le Mewtwo, bon. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre, ça fait toujours plaisir d'avoir un Mewtwo, même si on l'a déjà eu. Alors, énergie de type feu. Mais est-ce que je suis devin? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Énergie de type feu. Steelix. Xatu. Pokéstop. Meltan, Castorno,
Magikarp, Cap Humain. Ce serait bien d'avoir un petit Ditto là, un petit métamorphe hein, en vrai. Salamèche, Pikachu et Melmetal. Ouf. Ouf. Alors, 3, 4, et il y a une carte V-Star, donc énergie, V-Star. Énergie, V-Star, je vais juste faire un petit truc, je vais retourner l'avant-dernière carte, et je vais la mettre à la toute fin, parce qu'en général, quand il y a une V-Star, ils la mettent la meilleure carte, ils la mettent en avant-dernier. Capitaine d'équipe Candela, Air Bizarre. Capitaine d'équipe Spark. Spark qui est le nom de la petite libellule qui accompagne Spyro, le petit dragon violet. Dracon. Le petit dragon violet. Dans les jeux du même nom, Spyro. Evoli, Chamallow, Ratatak d'Alola, Colombo, Ronflex, Holo, et du coup, Carapuce, Rivers. Sniff, Sniff. On avait une carte V-Star, mais on n'avait pas de V-Star dedans. Allez, on continue. Hein. On perd pas la main. On perd pas la main. Pokémon Exchanger. Énergie de type. Coup de poing. Bouf. Énergie de type acier. Flagados, Celerock, Celerock, le Vénard. Ah, le Vénard, je ne crois, je sais pas si on l'avait déjà eu. Chamallow, Ratatak d'Alola, Colombo, l'inspecteur, Bulbizarre, Natu, je suis pas sûr qu'on l'avait non plus, Natu. Herbizarre, Reverse et Léviator, Holo. Je sais, peut-être qu'on l'a déjà eu aussi celui-là. Je sais plus dire. La 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 la. Alors, 1, 2, 3 et 4, à point à compter avec Agleta. Énergie de type herbe. Aïe, je me suis fait mal en plus. Énergie de type H2O. Super bonbon. Il est vraiment super. Migalos. Carabaf. Salamèche. On a beaucoup de... Les premiers boosters. Hein. Les premiers boosters. Les premiers... Pokémon. Les premiers starters. Cap Humain. Bulbizarre. On aura vraiment tout eu, quoi. Salamèche. Bon, c'est Carabaf. Carabaf, Salamèche, Bulbizarre. Poichijon. Magikarp. L'Euphorie. Et... L'Euphorie. Super. L'Euphorie Holo, l'Euphorie Reverse. Bon, la dernière fois, et j'ai dit ça un petit peu pour le dernier épisode d'ouverture de booster, la dernière fois j'étais là, oh, allez quoi, on a ouvert 10 boosters, on n'avait pas eu un truc top, et à la fin genre on a eu une dinguerie. Une dinguerie. Si vous avez vu l'épisode, vous savez de quoi je parle bien sûr. Alors... 3, 4, donc peut-être que là, notre chance va faire un petit peu la même chose, finalement. Énergie de type mouillé. Mouillé. Là. Énergie de type globe oculaire. Déflaisant. Celerock. Infect. Meltan. Evoli. Pikachu. Carapuce. Mimigal. Oh, le Florizarre radieux. Oh, le Florizarre radieux qui sort. Trop cool. Il est magnifique. Et du coup... Et le Loclas qu'on n'avait pas encore eu. Trop bien. Trop cool. Le Florizarre radieux. Alors, on va tout de suite aller faire un petit tour dans la Bible de cette série de cartes Pokémon Go. Du coup, il y a un Florizarre radieux, effectivement. Est-ce qu'on aurait un Tortank radieux?
Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas de Tortank radieux. Donc shiny, hein. Radieux. On n'a pas de Tortank shiny. Comme c'est curieux. Non. Ah si, 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 j'ai rien dit. On a le Tortank radieux. Ouh, il va être dur à sortir celui-là, le Tortank. Maintenant qu'on a les deux, le Dracaufeu et le... Et le Florizarre. Allez, c'est parti. Hein. C'est parti, du coup, pour un délicieux Tortank shiny. 3, 4. Énergie de type... je dirais... coup de poing. C'est du feu. C'est pas du coup de poing. Énergie de type brûlant. Karabaf. Capitaine d'équipe Candela et Herbizarre. Natsu. Capidextre. Ramolos. Castorno. Mimigal. Déflaisant Reverse. Qui n'est pas... Ah oui, non, non, je l'avais pas encore. Déflaisant Reverse et Nymphali Holo, encore une fois. Bon. Pourquoi pas. Ça, c'est marrant, le Evoli, il est vraiment très bronzé, quoi. Sur le... Il est vraiment très très bronzé. Oh mon dieu, il reste déjà plus que deux boosters. Bah ça ferait une vidéo assez courte. Mais ma foi, fort sympathique. En espérant tomber sur des dingueries. Des dingueries tout de suite maintenant avec une carte énergie de type... de type herbe. Sinon, c'est pas de l'herbe. Énergie de type électricité. Camerupt. Capitaine d'équipe blanche. Herbizarre. Ambrilex. Ratatak d'Alola. Ratata d'Alola. Mimigal. Pikachu. Herbizarre. Reverse. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose derrière. Melmetal. Oh putain. Melmetal de malheur. Melmetal de malheur qui sort à chaque fois. Qui est la carte super... super courante quoi dans cette série là, la V super courante. C'est donc Melmetal. Youpi! Déjà ce que je disais tout à l'heure, c'est que je le porte pas forcément dans mon cœur. Enfin, tout à l'heure. Dans le dernier épisode, bien sûr. Oh, bien sûr. Et donc on y va pour le dernier booster en espérant avoir une dinguerie. Énergie de type feu. Énergie de type mouillé. Solarok, Migalos, Reptincelle, Ambrilex, Natsu, Capidextre, Ramolos, Onyx. Oh oui! Oh oui, le Tortank radieux! Oh. Et le Elector! Oh le Tortank radieux, let's go! Oh, je suis trop content! Je suis trop content, putain. Le mec, il est content, il a pas des V max, des secrets, des arcs-en-ciel. Non, il a un Tortank radieux, tu sais. Ah, je suis juste trop content parce qu'au moins, j'ai les trois, quoi. Eh ben, ma foi, c'est une bonne ouverture de booster, finalement. J'aime vraiment pas mal. Du coup, si je peux ressortir, il est où l'autre... Il est où l'autre radieux, là? J'avais chopé tout à l'heure. Ah, il est là. Le Florizarre radieux. Et normalement, si je peux aussi sortir celui que j'avais looté un peu plus tôt. Je crois que c'est dans les tout premiers que j'ai looté. Il me semble. Dans les tout premiers que j'ai looté, je devais avoir un Dracaufeu shiny. Si je le trouve. Hein. Ça doit être quelque part par là. Ça doit être quelque part par là. Le Dracaufeu shiny... Alors. Ah, il est là. Hop. Du coup, on a le Dracaufeu radieux, le Florizarre radieux. On dirait vraiment radieux que c'est la... On dirait vraiment que c'est une traduction canadienne. Le Tortank radieux, lio. Donc, c'est très sympa. Au moins, j'ai les trois. Je suis bien content, lio. Ils sont vraiment trop beaux.
Et bien sûr, on a eu le Melmetal et puis les Dracolos. Bon, et la Mewtwo V. Ma foi. On l'a déjà eu, c'est sympa de l'avoir une deuxième fois. J'aurais préféré l'autre Mewtwo. Donc, celle qui vient normalement... Alors, on a eu la Mewtwo Arc-en-Ciel. On a eu la Mewtwo V deux fois. Et donc, j'aurais bien voulu avoir la Mewtwo V-Star. Non, attends. Non, c'est la V-Star qu'on a eu. Non, c'est bien celle-là. C'est la Mewtwo V-Star comme ça. J'aimerais bien avoir celle-là. Ça, j'aurais tous les Mewtwo. Tous les Mewtwo. C'est rigolo. Ça rime. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, vous abonner. Et bien sûr, à vous rendre sur Twitch. Pour voir d'autres ouvertures Pokémon ou du Minecraft, du hardcore. Voilà, c'est un petit peu ce que je fais principalement en ce moment. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode d'ouverture de Booster Pokémon. À la prochaine, ciao. C'était votre serviteur de l'internet, Invita. Ah, bonsoir.